Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, là, M. Claude Gassan, mourit assassiné samedi 31 juillet 2021 en République Dominicaine. Première information fait quoi que M. Gassan a suicidé tête li avec un couteau. La police de République Dominicaine posait la patte sur madame Claude Gassan, Sarah Jean Gassan, avec trois autres monde qui étaient dans le cas là pour être capable de mener enquête. Quatre policiers qui gagnaient implication directe avec plusieurs autres qui veulent une arrestation dans l'assassinat qui fait contre le défunt président de la République, Jovenel Moïse. Dans le 6 à 7 juillet 2021, la police a annoncé de continuer à chercher, tant qu'un chien fou, plusieurs autres monde qui impliqué dans l'assassinat, ça parmi eux, madame Wendell Koch, comme moun a cherché, d'après déclaration Marie-Michel Verrier, qui se porte parole, police nationale, pays d'Haïti. Ancien premier dame paysan, veuve Martine Moïse, annonce intention pour poser le candidat pour poste président dans la prochaine élection dans le pays d'Haïti. Abgain pour organiser, premier dame n'a fait déclaration ça, quelques semaines après l'assassinat contre défunt mari Jovenel Moïse. Ancien basonnier de l'avocat Bonne Péro, M. Christel Jean, dénoncé Zach persécution. Il dit que il a déclenché contre magistrat juge Wendell Coctello dans la capitale pays en Port-au-Prince. Ancien sénateur Nolan Moïse Jean-Charles, qui a intervenu sous l'assassinat qui fait contre ancien défunt président de la République, Jovenel Moïse, fait quoi que l'assassinat a des motivations politiques et économiques derrière lui, pendant lui exprimer des accolades sur façon enquêtée à mener dans le pays d'Haïti. Président de la Fondation Jéclairien, M. Samuel Mazistin, accusé la police comme quoi il a représenté un obstacle dans le cadre d'enquête sous l'assassinat qui fait contre défunt président de la République, Jovenel Moïse. Dossier coronavirus, une campagne de vaccination et en trois phases lancée depuis vendredi 30 juillet 2021 dans la ville Gonaïve sous coronavirus. Nabzou que ancien commissaire gouvernement par le Prince, M. Claude Gassan, lui mourit assassiné samedi passé dans la résidence de la Kailine Arroyo Rondo, dans une zone qui chita dans Santo Domingo en République Dominicaine, côté de vivre depuis quelques temps avec famille. D'après ambassadeur pays d'Haïti qui a vécu dans la République Dominicaine, lui confirmé et nouvelle ça que le rapporté que madame ancien commissaire gouvernement fait quoi que M. Claude Gassan mourit assassiné, plutôt suicidé tête li à partir d'un couteau qui était gagné dans Kailan. Ambassadeur Smith Augustin indiqué pour la presse que madame Claude Gassan, qui est ancien directeur général ULCC, était atteinte de coronavirus COVID-19, ça a été affaibli et il veut finir par suicider tête li. Quoi il est là, madame Maître Claude Gassan, ensemble avec un monde qui était dans Kailan avec d'autres encore, même qui était présent sous scène, la police était arrêtée pour interrogatoire. La police en République Dominicaine, bien sûr, pas la police dans le pays d'Haïti. De l'autre monde, était arrêté, la police était arrêtée ensemble avec gardien Kailan, ensemble avec madame Maître Gassan, yo même yo était là sous Dieu drame dans jour cabine yo gagné pour yo gen rapport autopsie, rapport police là, et sous interrogatoire là, d'après sa ambassadeur haïtien qui est en République Dominicaine, dans suite Augustin Ferronin, n'a pas le que M. Claude Gassan, lui-même était ancien consul pays d'Haïti dans Santiago, famille M. Gassan, déjà contacté ambassade là, pour suite nécessaire, quoi il est là, pour être capable de mettre à disposition, yo. D'après ça, il fait quoi? M. Claude Gassan, c'est un avocat de renom dans le pays d'Haïti, il était un ancien commissaire gouvernement dans Port-au-Prince, sous administration René Préval, deuxième version, pendant le passage, il était géré, paquet avec combien de fer, toutefois le patrie réussi conduit à faire que l'été doué conduire, toutefois l'été réussi à conduire à faire que t'as conduit avec succès. Dernier poste qui est occupé dans l'administration publique, c'est le directeur général ULCC, lutte contre corruption sous administration Jovenel Moïse. Là-dedans, il était passé seulement 2 mois dans poste ça. Il était également ancien juge d'instruction qui a traité dossier journaliste Jean-Léopold Dominique. Mais on a signalé une dernière nouvelle qui a fait croire que madame Claudie Gassan
t'a libéré, mais il faut le rester à disposition de la justice pour que il soit capable d'interroger au fur et à mesure que l'enquête sous assassinat qui fait contre Claude Gassan capable de poursuivre. Entre-temps, gagné ancien première dame pays d'Haïti, madame veuve Martine Moïse, qui a fait une déclaration dans le pays des États-Unis, dans le journal dans le pays des États-Unis, côté de quoi elle est là, elle a annoncé intention pour poser le candidat pour poste président dans la prochaine élection pays d'Haïti, a bien pour l'organiser avant longtemps. Ancien première dame, non, fait déclaration ça, nous déjà, une semaine après funérailles, dans funérailles ancien président haïtien, des films faits dans la fédération sur un pays des États-Unis, un journal Miami Herald, quand elle prend avion depuis mercredi passé, il passe quitter pays avec toute battant clanie. C'est là, elle fait déclaration pour annoncer que il y a intention pour poser le candidat dans l'élection présidentielle Capinio, parce que vision avec rêve ancien président Marie Jovenel Moïse, les papes qui sont tombés, les gars que faut le ramasser pour capable rider pays d'Haïti, sortir dans tout côté de là. Pendant l'interview, ça, pour madame, non, fait quoi que, de recevoir Katouche dans le moment à sa route à entrer en de Kailan pour venir touiller Marie. Il était prend balle dans la poignette, il était tombé à Rebocabana et Bouchi était plein de l'eau, celle sale était capable de ses bottes qui étaient dans pied, soldat, le monde qui t'a touillé Marie, mais il n'a pas de chance ou un visage, il n'a pas de capable de parler, seulement le temps de parler en poignol, le dossier t'a cherché en de Kailan que il n'a pas arrivé jeune dans un premier temps, après le fin de jeûne, il répond que jeûne, et là ça, après ça, il vient clair avec un flash pour regarder s'il mourit et il était resté tant qu'il y a un monde qui mourit en dans chambre là, c'est ça qui fait te gagner la vie sauve d'après première dame, ancien première dame pays d'Haïti, Marie-Étienne Martine Moïse, qui t'a bail première information sous assassinat qui fait contre ancien président haïtien Jovenel Moïse. Il pas choisi Haïti pour faire déclaration ça, il était rendu dans pays les États-Unis dans Miami journal Miami Herald avec CNN, il t'a pas faire déclaration ça avec garantie pour pas dire qui côté li trouvel nan état Floride là journée jeudi d'après information qui sorti la caille tonton Sam. Nan même dossier assassinat contre ancien président haïtien Jovenel Moïse, gagné quatre policiers qui gagnent implication directe avec plusieurs autres qui jouent arrestation dans assassinat contre défunt président Jovenel Moïse qui mourit dans la nuit 6 à 7 juillet 2021 dans Pèlerin 5 dans Pétionville dans résidence privée li. La police annonce li continue à chercher tant couchin fou plusieurs autres monde qui gagnent implication dans assassinat ça d'après porte-parole la police nationale pays d'Haïti Marie-Michel Verrier qui t'a prend la parole vendredi passé, non, conférence pour la presse. Moun, y a cherché tant couchin fou également, c'est juge Wendelcock qui, que la police dit, lui mettait à vue de recherche derrière lui, comme quoi il a participé dans les assassinats qui fait contre ancien président haïtien, Jovenel Moïse, dans la nuit 6 à 7 juillet 2021. Nous avons pu écouter, porte-parole, la police nationale pays d'Haïti, madame Marie-Michel Verrier. 7 juillet, police nationale d'Haïti déclarée comme qui était déjà possédée avec arrestation 27 individus. Parmi 27 individus, c'est 18 Colombiens, 3 Haïtiens-Américains et 6 Haïtiens. Dans 6 Haïtiens, c'est des policiers là-dedans. C'est 45 fusils automatiques qui sont arrivés chez eux, 14 pistolets et plusieurs centaines de cartouches de différents calibres. Pegué 3 millions d'alimentation qui étaient saisies. Pegué 13 maisons qui étaient perquisitionnées. Et dans le niveau inspection générale, côté enquête à mener sur la administration, pegué 45 auditions qui étaient réalisées. Pegué 23 policiers qui étaient placés en mesure conservatoire. Pegué 7 isolements qui étaient pris à l'encontre des policiers. Et pour qu'on y a des nouveaux éléments qui potent dans l'enquête là pour qu'on y a. Il y a plusieurs actes que le CPJ y dépose. Et nous allons partager avec nous. Parmi les actes qui y déposent, au total, il y a 44 personnes qui y interpellent. Parmi eux, nous avons joint 12 policiers. 12 policiers d'ailleurs. Nous avons imagé là pour qu'on y a, mais nous avons trois pour qu'on y a là, nous avons d'autres problèmes au niveau de base de données, nous n'avons pas arrivé à jouer l'image. Prochainement,
nous venons dans une conférence ou un point de presse, la balle aussi mal ça. Policier ça, c'est Williams Moïse, Osman Pierre Léon, Jean Laguerre Sigil, Guerrier Ronald, Alphonse Sariac, Jean Harry, Delica Panek, Louis Franz, Laurent Jules, Germain Hertz, François Wally, Louis Saint, Cléatis. N'a pas rappelé, parmi les policiers, qui ont été à l'arrestation, c'est pour degré de responsabilité que nous avons gagné en tant que responsable. Le travail qui a été fait, les décisions qui ont été prises, il n'y a pas de temps. Alors, il y a une question pour répondre à la justice. Ce n'est pas une implication directe dans le dossier. Nous avons fait reconnaître que nous avons gagné 4 parmi les policiers que nous déjà gagné qui ont été à l'arrestation déjà et qui ont été à l'arrestation. Qui a une implication directe dans ce qui est passé quand le président de la République, le jour de Moïse, la date du 7 juillet 2021. Parmi les policiers, nous avons William Moïse, non, qui est là, mais il y a 3 autres qui étaient déjà à l'arrestation. C'était Bonny Grégory, Clifton Hippolyte et Jean-Yves Michel. Les policiers, c'est pour implication directe dans le dossier. Policiers étaient ensemble avec les Colombiens depuis l'heure rentrée jusqu'à ce qu'il y ait des actes de terre qu'il y ait président. Et dans le jour où ça a fait là, les policiers étaient présents. C'est pour raison ça, ils ont des CPJ posé la patte sur les policiers. Et nous avons plusieurs résidences qui étaient perquisitionnées. Nous déjà connaissons déjà, nous avons parlé déjà dans un point de presse, moi pas besoin de citer dans eux, nous gagnons des là. Et nous gagnons une autre perquisition qui fait, c'est carré Jean Goudol. Perquisition, ça a fait lui-même. C'est dans mon calvaire, dans l'autre résidence, pour individu ça, que la police a perquisitionné. Nous gagnons un vidéo recherche qui est lancé à l'encontre de Telo Koka Wendel. N'a pas rappelé, ou du moins n'a fait nous connaître, que Madame Koka, qui a vidé au geste, qui est lancé à l'encontre de CPJ, dans l'audition, l'irréalisée pour Colombiens et Haïtiens noirs. Il y a plusieurs parmi nous qui fait connaître. Que nous allons nous rencontrer avec Madame Koka à deux reprises. Et moi, ça va arriver par la description, direction pour vous faire pour aller à Madame Koka. Et plus le détail est passé de Madame Koka. Moi, ça va arriver par la DCPJ en pile détail. Sous quel document qui t'a signé pendant le compte de t'aller à Madame Koka. Document ça, c'était CTU côté où il y a plus d'empile d'informations sur CTU dans sa catégorie de président. Et c'est CTU qui a pris le document ça pour Mme Coxie. Et Mme Coxie a signé le document ça. Il y a plus de détails qui demain qui va voter. Et la justice a pu chercher un pile d'informations sur ça, nous partager là. Et il y a un mandat qui a été décerné à la cour de Mme Coxie. DCPJ qui est rendu dans la résidence de Mme Koka. Malheureusement, il n'y a pas de joint. Il y a eu plusieurs autres résidences de Mme Koka, dans Mambulac, Saint-Michel, Lataya, que DCPJ est allé chercher Mme Koka dans la résidence de Mme Koka. Il n'y a pas de joint. Il a été cherché à travers le téléphone, essayer de rentrer en communication avec lui. Pour faire connaître que tu as besoin de poser quelques questions suite à un mandat, ça va être capable d'exécuter. Il n'y a pas de moi, il peut être jeune. Alors, il y a un peu de tu es obligé de lancer à l'encontre de Madame Koka. Pour qu'on dise, la police a cherché Madame Koka activement. Que plusieurs autres monde, j'en ai déjà connu, que la police a cherché, moi, pas besoin de citer nous, nous tous connaissons. Mais il y a quelques images qui affichent là. La police a continué à chercher tout le monde. Mis à part de
partie de recherche financée à la COP de Madame Koch et de tout le monde ça. Inspection générale, continue de travailler. Il y a 46 auditions, j'en ai noté déjà qu'on a qui réalisé. Pour qu'on y ait 9 policiers qui placés en isolement. Donc c'est un appel à toute population. Pour dire, restez tête faite. Il y a pour continuer à chercher tout élément pour faire éclaircissement sous le mot président républicain. Et tout le monde qui est impliqué là-dedans, tout le monde qui est impliqué là-dedans, à arriver, répondre à la question de la justice. Tout le monde, la police a cherché, la main des populations, aidez-nous chercher. Tout côté, nous connaissons, nous sommes capables de nous faire la police connaître. Par la participation, par nous, aidez-nous jeunes nous et qu'il y a une bonne récompense qui est réservée à tout le monde qui t'a permis de nous mettre les mains sur nous. On a écouté Marie-Michel Verrier, qui est porte-parole police nationale pays d'Haïti, hein, qui a réagi sous assassinat qui fait contre des fins président public dans Jovenel Moïse dans le 6 à 7 juillet 2021. Que la police a cherché, t'as couché un fou, un paquet de monde, parmi le juge Wendell Coctello, les yeux fouillés Kali, dans Mamlade, dans Saint-Michel, dans Port-au-Prince, avec plus de l'autre côté encore, pour capable de rejoindre le juge Wendell Coct comme monde qui pouvait répondre à une question dans l'assassinat qui vient pour avec un ancien président haïtien Jovenel Moïse. Dans le même dossier, il y a un ancien bâton de l'ordre avocat pour le pays, maître Fresnel Jean, qui dénonce les actes de persécution, il dit qu'il déclenche contre juge Wendell Coctello dans le capital pays en Port-au-Prince. Ancien bâtonnier, maître Fresnel Jean, qualifié de persécution politique, commissaire gouvernement Port-au-Prince, avec DCPJ, maître Belfort Claude a fait contre juge Cour cassation Wendell Coctello. Dans le cadre d'enquête, après nous assassinat le mort ancien président Jovenel Moïse, les choisi fait décéder mandat d'amener contre juge là qui n'a plus gros tribunal pays d'Haïti. Professionnel droit consigné pour faire connaître ces prétextes équipe en place à chercher pour détourner des populations hein, sur les monde qui assassinait président haïtien Jovenel Moïse. Pour demander autorité pour bail mandat pour madame Martine Moïse justice maître Fresnel Jean, c'est ancien bâtonnier l'autre avocat n'a pas de paix. C'est normal qu'on recherche les auteurs de ce crime. Tout en recherchant ces criminels, il faut qu'on admette tout que la loi respecte en cas qu'on s'approche. Qui est-ce qui vient de droit émettre mandat? Le commissaire du gouvernement est pour devoir. Pour le respect social par devant le cabinet d'instruction. Rappelez-vous que le juge des mandats, c'est le juge d'instruction. Comme c'est le gouvernement par des mandats qu'il veut y mettre, sauf en cas de flagrant délit. Wendell Coct, premièrement, commissaire pendant et les flagrants, il va dire, arrive, il va dire, pouvoir pour y mettre mandat. Deuxièmement, il s'agit d'une juge à la Cour de cassation, une procédure spéciale prévue par la loi pour attaquer en justice un juge à la Cour de cassation. Nous ne pouvons pas faire Haïti tout le monde savant pour nous prendre des décisions changées. Jusqu'à date, Haïti était pour l'État de droit. On t'a écouté maître Fresnel Jean, qui est ancien bâtonnier avocat pour le pression, qui t'a réagi sous mandat d'amener Guyen contre juge Wendell Coctello. Il croit que son persécution qu'a faite contre juge qui a siégé dans le plus gros tribunal pays d'Haïti, qui c'est la Cour de cassation. Dans le même dossier, il y a Samuel Madison qui a accusé la police comme un qui a représenté un obstacle dans le cadre d'enquête sur l'assassinat qu'a fait contre ancien président haïtien Jovenel Moïse. Enquête sera mal commencée. Il y a une série d'actions la police a posées, ils sont capables d'attaquer et annuler tout devant un tribunal. Par cause, je n'ai pas fait Jean, plus tard de fait, d'après, selon la loi, d'après M. Madison qui déplorait tout, de CPJ, qui pourrait capable, Jean, qui pourrait jamais transmettre dossier dans le paquet pour être capable de faire ce qui est nécessaire. Responsable de la Fondation J'éclairé, on fait connaître.
comportement Sila capable de faire comprendre la police a empêché lumière il veut faire sous assassinat qui fait contre défunt président Jovenel Moïse. Mais Samuel Madistin. C'est comme si son enquête a fait en façon pour pas jamais gagner justice, pas jamais lumière qui fait tout assassinat Jovenel Moïse. Comment on a fait pour dire, moi, bon président bon, qui a assassiné la Kaili, dans le procès criminel, la loi réglementait toutes les démarches, toutes les étapes de la procédure. Les premières étapes là, qui c'est l'étape de l'investigation policière, qui c'est l'étape de l'information préliminaire des juges de paix. Mais tout de suite après, il faut qu'il y ait transféré dans un délai de 48 heures dossier avec le commissaire gouvernement, qui c'est l'autorité de poursuite. Le commissaire gouvernement, en fait, pour saisir le cabinet d'instruction, qui c'est l'autorité, la juridiction d'instruction. Si le juge d'instruction estime que il y a des informations, des investigations, le besoin, c'est la police qui a une capacité technique pour le faire. La baille, la police, en commission rogatoire. Pour le dire par exemple, la police, analyser déclaration faite dans tel téléphone, analyser tel indice matériel, analyser par exemple tel serveur de caméra, faire des fouilles, faire des perquisitions. Donc là, ça, la police n'a pas agi sur l'autorité d'un juge. Un juge qui balle des bagailles fait. Et la paix, la voie, la juge, la juge, la pas apprécié pour prendre décision. Mais comment la police a fait qu'un dossier ou enquête dans mail pendant plus que 20 jours? L'arrêté de monde dit 20 jours, 15 jours dans mail, alors que la loi dit que 48 heures pour se transférer mon jour à la vie. Dit qu'un BO, donc la pose des actes, la police pas voulu quitter, avocat, à l'ouest client, pas quitter avocat, attendez, assister client, ou gagner le directeur général de la police, c'est lui-même qui juge de l'enquête. La décide qui moun ni katande, qui moun ni pa vle tande, qui côté pour enquête pas arrivé, côté pour pas arrivé, la fête show médiatique, conférence toute la fin de journée. Ça yo, bagay ça yo, pas qu'à faire lumière sur une enquête criminelle. Tout vient à ça yo, va l'annuler au devant, avocat va l'annuler yo, dans la tribunal, parce que vous faites en violation de la loi. Donc yo, c'est un entrave, y a bousillé enquête là. Nous sommes obstacles là, à la manifestation de la vérité. C'est comme si la police est en train de tout mettre en œuvre pour empêcher la manifestation de la vérité sur l'enquête autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ce qui se fait est inacceptable. C'est très grave. Autant côté, Maître Samuel Madistin, qui est président de la Fondation Jiclere, lui-même qui a réagi sur la façon la police a comporté dans l'enquête. Il y a Benin sur faire lumière sur l'assassinat contre le défunt président Jovenel Moïse. Là. Dans cet assassinat, ça, il y a parlé toujours, il y a un sénateur Moïse Jean-Charles qui fait quoi que gagner. Il y a une motivation politique et économique derrière les assassinats qui fait contre défunt président républicain Jovenel Moïse. Monsieur Jean-Charles Moïse, ancien sénateur, il exprime des accords gagnés sous façon il y a bien une enquête là dans le pays d'Haïti. Il y a un crime comme ça, qui fait comme ça, sans pas gagner l'autre victime, pas gagner bavure, monde qui a réfléchi, qui a comprendre, t'es gagné implication interne, t'es gagné implication externe, t'es gagné implication zami, t'es gagné implication sitôt pouvoir tête caléa. Quand il y a l'autre entité, oui, mais moi-même, l'aime comprendre le bagaille là, il y a un monde qui est dans la politique longtemps, il y a un monde qui est formé dans le pays socialiste, il y a un monde qui vivent en pile événement, il y a des bagailles qui aiment qu'à comprendre, puis gros erreur, Jovenel Moïse fait, pour finir président, et pour quitter ce monde qui est bon sécurité, mi chef sécurité. Ouais, je dis, hein, fais pas ici un payer taxe, pour payer chef sécurité, Jovenel Moïse là, fais pas ici un payer taxe, ou payer chef sécurité palais national là, fait pas ici un payer taxe, ou payer chaque grain policier qui travaille sur le Moïse sécurité. Mes amis, n'importe qui mon petit qui doit comprendre ça. Allez, ouais, moi, j'ai un tiers Jovenel Moïse là. C'est un coup sans poule, et puis, c'est pas seulement tiré là, non? Bon rage, bon frustration qui passait dans tiré, hein, face au cabinet Jovenel Moïse là. Y'a un tiers Jovenel Moïse, tant qu'on son tiers esclave, et, ouais, ça qui passait, l'ensemble sécurité qui était là, yo, mes amis. Même quoi, en partie des données que nous avons essayé de compiler, yo, moi-même, pourquoi je finis bien, y'a une position arrêtée net à 100%, même quoi, elle est à 70%, moi-même. Il y a un compagnon vite, Jovenel Moïse, pour un véritable complot. Et en un mot, Jovenel Moïse, c'est livré. Il a livré Jovenel Moïse. En placé assassinat Jovenel Moïse dans nos contextes. Je ne sais pas le fait pour bien payer. Je ne sais pas le fait parce que ça peut porter changement dans l'éducation, dans l'aspect économique, l'aspect social. Je ne sais pas le fait pour peuple en santé. Et je ne sais pas le fait pour nous sortir dans la misère. Même quoi le fait pour pouvoir, pour avantage économique, le fait
pour question zam, les fêtes pour question drogue, les fêtes pour toutes vieilles bagailles que nous connaissons. M'pa quoi c'est pour peuple haïtien, ya. Femme placée, assassinat Jovenel Moïse là, non contexte bien déterminé. Ça veut dire qui ça? Est-ce que c'est aspect économique, yo? Est-ce que c'est aspect pouvoir? Est-ce que Jovenel Moïse t'es menacé entité qui t'a doué vin sous pouvoir? Est-ce qu'elle t'es menacé entité pour avantage économique? M'pa qu'à répondre à une question ça, mais m'a posé, yo. Mais en gros, m'a répété pour peuple haïtien, ya. Ça qui fait là, les fêtes non contexte bien déterminé, elle fait nos moments bien déterminés. Nous souhaitons payer en saisie bien ça m'a dit là. Ça veut dire qui ça? Nous, Maurice Jean-Charles, comme un dirigeant politique éclairé, expérimenté, nous clairement, nous ouais bagaille là, les faits, m'bon garanti, les gains même politiques, les gains même économiques là-dedans. Et, il y a des causes qui ont passé là aujourd'hui, ces directions qui ont créé, puis on pas arrivé, sont celles des mondes aujourd'hui. Même si tu comprends ça, je veux rassurer le pays, je ne sais pas quoi les gens qui ont mené, je ne sais pas quoi façon ils ont invité les gens. Déjà, famille Jovenel Moïse parle de justice. Ouais, les gens qui ont invité, je vais inviter en pile les gens tête graine. Alors que, aujourd'hui, je ne peux jamais inviter, on sait de l'autre catégorie de gens. M'a regardé ça qu'a fait là. Je m'en ai parti avec enquête là. Est-ce qu'elle pas biaisée? On a écouté ancien sénateur Nolan et puis c'est leader petit Dessalina Moïse Jean-Charles qui a réagi sur enquête qu'a fait contre ancien président haïtien Jovenel Moïse qui était mort assassiné dans la nuit 6 à 7 juillet 2021. On a fait bien dossier ça, nous allons parler dossier arrêt des bains que Koussebert de contre contestation administrative mettait des huiles contre plusieurs dirigeants haïtiens, parmi eux Madame Marjorie Alexandre Brunache, qui c'est petite fille et ancien président provisoire pays d'Haïti, hein, Maître Boniface Alexandre, qui c'est également président moun kap écrit constitution que Jovenel Moïse s'est voulu bailler pays d'Haïti. Gagné lui-même lui réagit à partir de arrêt des Bessa qui sont si contenus qui condamnaient pour payer 15 940 dollars. Madame Marjorie Alexandre Brunache, nous nous disons ancien ministre conseiller près ambassade de pays d'Haïti gagné dans Washington et puis le responsable consulat pays d'Haïti gagné dans Boston. Lui réagit à partir de décision Cour supérieure des comptes qui était condamné pour payer trésor public là pour le restituer 15 940 dollars américains. Madame Brunache, nous note pour la presse que le mettait dehors en date 31 juillet 2021, dit lui voulait à partir de note ça pour dénoncer avec indignation et une grande véhémence arrêt arbitraire et injuste qui sont si bon côté Cour supérieure des comptes contentieux administratifs qui prend compte en date 29 juillet 2021. Il dit ça, c'est une grosse surprise pour lui au détriment de tout bon sens et en violation flagrante droit pour lui gagner. Pour gagner accès à une justice saine et équitable, pour suivre des comptes à contentieux administratifs publiés sur compte Twitter, une décision inique, incorrecte, partiale et malveillante dans un arrêt des bains qui condamne pour le rembourser l'État haïtien 15 940 dollars américains. Maître Marjorie Alexandre Brunache, les plaignants de comportement, consommer des comptes là, non, ils ont noté, nous ont déjà l'hypothèse de dehors qui vaut le date 31 juillet 2021. Madame Brunache dénonçait amalgame douteux, côté non, souillé et associé avec des prédateurs de république là. Jusqu'à ce moment, jusqu'à un moment que n'y est là, mais beaucoup de gens me recevoir signification arrêt ça, qui, t'es capable de permettre de défendre tête, et puis, pour m'être capable de réfuter point par point, faire que t'es capable de tenter pour reprocher mieux. Dans ce sens, je vais annoncer nous, à partir de jeudi à même, que m'a commencé à défendre honneur, moi, avec réputation jusqu'au bout, et m'a exercé toute voie de recours que la justice pays d'Haïti mettait à disposition, moi, parole Marjorie Brunache. Maintenant, un peu plus loin, dit le blessé dans un profond amni, et il toujours servi pays avec honnêteté, dignité, à compétence. Seul tort, lui fait, c'est parce qu'il mettait connaissance, lui, au service patria. En récompense, réputation ni avec honneur, il traîne sa roue dans la boue et le dégoûté, mais l'a fait éclater la vérité dans les yeux tout le monde qui est dans le monde, là, surtout compatriotes. Yo. Signaler Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs, les réaliser audit sous gestion maître Marjorie Alexandre Brunache comme ministre conseiller auprès de l'ambassade d'Haïti dans Washington et responsable consulat pays d'Haïti gagné dans Boston. Il jouait pour ça respectivement en décembre 2011 à février 2015 et puis sorti mois de mai 2016 pour arriver juin 2017. Non jugement, cour à M. Deol conclut ça, il dit que
la cour a mis en débat madame Marjorie Alexandre Brunache pour irrégularité qui était faite sous gestion dans ambassade d'Haïti gagné dans Washington et parce qu'il est encore responsable et comme responsable dans Boston. Dans ce sens, il est condamné et madame Marjorie Brunache pour restituer à l'État haïtien $15,940 et il est ordonné pour que yo kembe sous hypothèque légale et grever tout bien meuble et immeuble que le gagnant au profit de l'État haïtien jusqu'à ce que les fin remettent l'argent ça que l'été mal géré d'après coup souverain des comptes à contentieux administratif. Autant des positions madame Nandi même qui réagit face à la situation ça. Quand il est là, nous allons parler économie. Nous allons dire qu'il y a un économiste Thomas Lalim qui exprimait d'autres lignes sur possibilité pour l'économie haïtienne à relancer après installation. Nouveau premier ministre haïtien qui est là, Ariel Henry, avec tout le cabinet ministériel. Docteur Lalim qui rappelait économie déjà en digraba, bien avant l'assassinat des fin président Jovenel Moïse, il fait quoi que l'économie pour le relancer, il doit passer dans la question rétablissement de l'ordre et sécurité dans le pays d'Haïti. Thomas Lalim, c'est économiste haïtien. Même avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'économie était techniquement en récession. Techniquement en récession, en ce sens que en 2019, nous avons eu une taux de croissance économique négatif, moins 1,7%. En 2020, nous avons eu un taux de croissance économique encore plus négatif, toujours moins 3,3%. Donc, l'économie est déjà dans une situation très grave avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, si qu'on y a autorité ou t'as prétendu que on va relancer l'économie, c'est pas quelque part, ça t'a dit que bagaille au plus bon après assassinat de Jovenel Moïse que qu'on y a. Bon, ça t'a demandé pour bien preuve de ça. Sauf Léon, l'autre chiffre encore que nous avons pour montrer les gens en situation préoccupante avant l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est que pour le deuxième trimestre année fiscale là, qui était commencé janvier, qui en fait qui était allé pendant la période janvier, février, mars, là, trois mois ça, au deuxième trimestre, là, l'État s'est collecté. C'est 22,6 milliards de gouttes et il a été dépensé 41,3 milliards de gouttes. Presque le double de ça de dépensé. Donc, ce qui fait que tu as un gros déficit, mais là, on a du déficit budgétaire. Là, ça veut dire tout simplement que l'État dépense plus comme que les risques collectés. Pour qui ça va arriver collecter, c'est ça question qui est importante. Il y a une réponse sur une question d'insécurité. Donc, pour moi-même, je dis que la grande priorité, c'est rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Est-ce que le gouvernement ça a café? C'est ça l'autre plus grosse question. Mais Otagi doit poser la question à l'autre gens. Pour qui ça, en majorité gouvernement, pour me dire tout gouvernement que le président Jovenel Moïse est passé, pas privé rétablir la sécurité dans le pays. Qu'on y a si tout le gouvernement qui est passé au privé seul, est-ce que quand le président Jovenel Moïse parle à nouveau gouvernement ça Kassel, il était pour nous-mêmes nous avoir preuve ça, mais il est difficile pour nous de conclure facilement que ça l'autre gouvernement sous Jovenel Moïse pas privé seul, le gouvernement arrive à rien pour arriver seul. Qu'on y a si nous pas arrivé à rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays, pour moi même bah ouais qui gens au parler de relance économique. On a écouté économiste haïtien Thomas Lalim qui a parlé de état économie haïtien a traversé mauvais moment. Il y a un journal Le Nouveliste non article publié dans date 30 juillet 2021 font également ramasser sous état situation économique pays d'Haïti que nous allons garder ensemble avec vous. Journal a dit sorti dans avril 8 juin 2021 économie haïtienne y a affiché des chiffres qui traduit à qui point que économie a porté très mal d'après une note qui sorti sous politique monétaire qui publié par Banque République d'Haïti ça n'est les banques centrales là sur site internet dit avec réseaux sociaux pour troisième trimestre exercice fiscal 2020-2021 principal indicateur économique yo présenté dans notre ça yo exactement yo en rouge variation indice prix à la consommation ça relé IPC yo porté yo jusqu'à 14,5% en mai et yo passé à 16% en avril contre 17,2% dans mars 2021.
d'après ça, on est capable dans un rapport ça qui souligne que taux d'inflation cumulé sous période sortie octobre 2020 pour arriver à mai 2021, il arrive jusqu'à 5,6% contre 14,6% au cours même période exercice 2019-2020. Et pour cette premier mois exercice là, importation qui fait dans le pays d'Haïti, il a augmenté de 21%, ça veut dire Haïti acheté pour plus que 21,60% contrairement à ce qu'on achetait à l'étranger pour faire entrer dans le pays, alors que exportation ça nous est dehors difficilement pour 8,16%, ça veut dire une différence presque de 13%. Évolution concomitante qui gagne dans importation yo ak exportation entraîné une détérioration de environ 26.28% sous balance commerciale qui gagne en pays d'Haïti sous période là d'après notre qui sorti bon côté Banque Centrale pays d'Haïti qui croit que activité économique ak financière yo sorti pour troisième trimestre exercice fiscal qui en cours là Banque Centrale lui pas présenté quantité importation et exportation en valeur absolue. Ça concerne les transferts privés sans contrepartie qui constituent plus importante source de devises dans le pays, yo chiffré à 2.9 milliards de dollars en octobre 2020 à mai 2021, qu'on progression de plus que 40% en glissement annuel d'après ça notre BRH a révélé. Malgré augmentation de transferts qui continue à faire dans le pays et qui c'est plus grosse source de devises qui gagne dans le pays d'Haïti, Goodla pas suspendre petit Valérie, c'est chaque jour dollar a bien plus cher et goudlan a bien plus faible. En effet, taux de changeant a augmenté considérablement, ceci à 80 goud 32 pour le passer pour un dollar américain pour le passer en mars à 90 goud 67 pour un dollar américain en juin 2021. N'a dit ça, c'est pour Banque Centrale, mais machin informel là, c'est tout à fait différent. Monnaie nationale là, qui connaît une dépréciation de l'ordre de 12,9% dans le temps trimestre qui se passe là, et renforcement demande importation yo, avec anticipation négative agent économique yo, associé avec des dégradation climat sécuritaire qui gagne dans pays en côté coûte ça chanter tribord par bord particulier dans zone massif Saint-Contamara les principaux avec plusieurs côtés dans zone métropolitaine là c'est principaux facteurs qui exercent pression sur taux de change là d'après notre Banque Centrale pays d'Haïti. Dans ça Banque Centrale a fait état aussi de dégradation constatée dans le niveau finance publique là en raison de incapacité de l'État gagnant pour mobiliser assez de ressources non contexte détérioration climat d'affaires là. Il a totalisé environ 21,790 milliards de goudes dans le trimestre, au cours du trimestre là, nous avons parlé là, troisième trimestre là, sous étude là, où c'est diminué de 8,13% par rapport à trimestre précédent. Parallèlement, dépenses budgétaires, ils ont même augmenté de 11,2% en variation trimestrielle pour établir à 84 587,01 milliards de goudes d'après notre qui sorti bon côté Banque Centrale pays d'Haïti. Banque l'an plus loin fait sentir que recettes qui cumulées sorti mois d'octobre 2020 à juin 2021, ils ont en hausse de 15,93% par rapport à même période exercice passé. Elle représentait 33,36% dans la ressource totale. L'État a chiffré à 212,217,47 milliards de goudes. Cependant, dernier chiffre ça, il y a beaucoup couvert des décaissements total qui passaient de 239,680,000 milliards de goudes qui baille environ soit de 124,358,21 milliards de goudes qui c'est dépenses budgétaires que l'État fait sous 9 premiers mois exercice là d'après même notre BRH là. Banque Centrale fait comprendre que évolution situation finance publique là les soldés les débouchés sont déficits budgétaires partiellement qui financé pour un petit bout de temps par Banque Centrale pays d'Haïti hein, et pour un montant de 40,224,78 milliards de goudes comme déficit budgétaire que l'État fait pour arriver dans le mois de juin 2021 contre 34,37,02 milliards de goudes pendant trimestre antérieur. Donc c'est ça notre qui sorti bon côté Banque Centrale qui t'a décrit état situation économique pays d'Haïti. Donc nous accusons un déficit sous trimestre là qui montait à environ
40 224.78 milliards de goudes, alors que dans trimestre avant, trimestre qui nous dit en janvier à mars là, nous avons le déficit qui montait à 34 037 milliards de goudes, alors que dans trimestre arrivé jusqu'à mois de juin, hein, soit avril mai juin, l'État haïtien font déficit de 40 224.78 milliards de goudes, et c'est Banque Centrale qui payait tout ça pour casser pour pays d'Haïti, pour finances publiques, et ça a une grosse conséquence sur le marché d'échange là, et également sur l'activité économique. Ça va faire que le Banque Centrale récupérer l'argent, ça est obligé de mettre gros taux sur l'argent, la prêter monio, et qui a une conséquence directe sur la consommation publique là, dans le pays d'Haïti. Dans le dossier économique, nous allons parler de ce coronavirus pour un petit bout de temps, pour nous capables de fermer le journal là, pour nous dire que une campagne de vaccination qui gagne trois phases, qui lancée là depuis vendredi 30 juillet 2021 par le directeur santé dans la Tibonite, docteur Marcel Châtelier, en campagne contre coronavirus, contre COVID-19 là, qui démarre. Donc nous allons son campagne en trois phases, qui c'est vaccin pour personnel santé, où il y a plus que 50 années, qui présente signe comorbidité avec autorité au cap gain pour prendre vaccin en premier. Puis le docteur Marcel Châtelier a déclaré vaccin COVID-19 là, pas qu'à empêcher de trapper maladie, hein, mais qu'à empêcher d'arriver dans la forme qui est grave. En écouté un petit bout dans la déclaration docteur Marcel Châtelier, qui est directeur départemental sanitaire de la Tibonite. Là. Qui fait partie du groupe technique départemental pour gestion COVID-19, directeur départemental PNH, nous avons le commissaire gouvernement, directeur éducation qui est là. Avec nous et magistrat lui-même qui est fait de nous que lui en route. Et c'est une occasion que nous gagnons aujourd'hui pour nous capables d'inviter la presse par les écrits télévisés et les réseaux en ligne pour nous capables officiellement présenter et campagne vaccination en COVID-19 qui a commencé dans le département de la Tibonite à partir de vendredi 30, qui comportait trois phases. Tout représentant qui là-haut, nous voulons aller, qui volontaire, parce que ce n'est pas forcé, nous voulons que chaque monde, nous-mêmes, nous là, nous commencer avec par là, et que la population lui voit réellement que nous-mêmes, autorité, nous embrasser le pas, qui dans le comité, qui dans le groupe là, et ensuite, nous avons continué à travailler là, dans tout le département. Il y a 5 sites qui ouvrent. 5 sites, c'est 5 arrondissements. Mais pour le moment, nous avons graduellement ouvert le site qui arrive là. C'est ACH, Claire, c'est Bachan de Saline, qui a ouvert lundi. Et mardi, c'est le site, c'est HSN. Et Alma Mater de Gourmand. Nous pensons que Saint-Michel gagne pour ouvrir tout dans la même période là, parce que nous connaissons nos 5 arrondissements et c'est le chef de chaque arrondissement que nous mettons situé. Et c'est dans l'hôpital qui est notre chef lieu arrondissement. Donc, je dis à Gonaïve, nous prenons HPG et site ça, la place que nous allons visiter tout à l'heure. Là pour tout le monde qui est personnel médical. Voilà, on a écouté le directeur départemental sanitaire de la Tibonite là, mais docteur Marcel Châtelier qui t'a parlé sur la campagne ça qui a lancé dans la ville Gonaïve pour COVID-19 là. Le directeur médical là, docteur Xen Joseph, qui est satisfait du premier jour de vaccination, hein, pendant le tour annoncé que c'est même équipe là qui commence la campagne de vaccination, c'est là qui a gagné pour réaliser reste activité qui a dit 10 jours seulement. Puis le docteur Xen Joseph, fait connaître, c'est après personnel santé, hein, avec autorité au fin pour la deuxième dose vaccin, hein, y a bien pour l'ouvrir campagne, là, à grand public, là. Donc, c'est comme ça, à pied. Il y en a un monde qui était peut être comme volontaire. Il y en a même conseil municipal intérimé Gonaïve, là, c'est professeur Fontaine Badio. Il déclare les sentiers renforcés. Après, les fins prend première dose vaccin contre COVID-19, là. Il croit, j'ai toute autorité dans l'État, qui prend vaccin, hein, t'as dû mettre
reste population en confiance pour yo capable de vacciner dans souci pour protéger tête de coronavirus. Nous parler dans sud pays, les autorités sanitaires dans le département sud pays démarré à campagne vaccination contre coronavirus là, même gens avec la Tibonite vendredi 30 juillet 2021 dans ville Okaï. Directeur départemental sud là, c'est premier monde qui recevoir première dose vaccin contre COVID-19 là, nous façon pour encourager population capable de faire même gens. Vous êtes des distances, c'est correspondant Radio Pyramide dans la métropole sud là, en côté. J'en ai dit dans l'interview, tu m'as prêché par exemple. Compliment. Merci, Miss Person. Vous avez rendez-vous dans 28 jours pour une deuxième dose Moderna pour protéger contre COVID-19. Directeur départemental sanitaire sud-là, t'as pressé voir première dose vaccin Moderna dans le centre traitement maladie infectieuse sanatorium Bejo, matin vendredi 30 juillet 2021. Docteur Jean-Bernard Février profite et encourage la population sud-isla pour vacciner, pour capable protéger la tête. Et encourage la population à prendre un vaccin dans le sanatorium et à mettre tout service à mobiliser les gens qui sont compétents pour assurer le service. Le vaccin est disponible dans la CR d'Aken, il est déjà disponible dans le fond des blancs, et on site de prise en charge pour COVID, et nous comptons mettre un autre site sur la côte. Pour toute population qui a accès à un vaccin qui est disponible pour nous dans le département sud. Miss Céline Percy-Élisée, responsable programme santé infantile, vaccination dans la direction départementale sanitaire sud-lan, fait qu'on ait vaccin ça à protéger Mounio contre forme grave COVID-19 là. Miss Percy dit, pour mobilisation vaccin ça mandé, yo pas capable de mettre le disponible dans chaque centre santé qui gagne dans le département. Pour le moment, c'est sanatorium seulement nous mettez site là. Parce que si nous suivons, les gens viennent pour un vaccin, c'est toute une équipe qui mobilise pour le service là. Les fins pour un vaccin, pour le font un petit temps ou 15 minutes pour plus petit, pour nous suivre li, et puis les toutes bagages fin pour nous aller à la caille. Donc nous ne pouvons pas mettre des vaccins dans chaque centre santé, mais il y a toujours des sites qui peuvent recevoir la population, les besoins pour un vaccin. Les gens qui prennent deux doses de vaccin, là bien en sécurité à 94% contre les formes graves de COVID-19. Gélin Gabriel, c'est un citoyen étranger qui lui-même tout recevoir première dose vaccin. Monsieur Gabriel dit, il n'est pas convaincu personne monde pour prendre vaccin. Au contraire, il a respecté décision yo. Lui-même dit, il prend vaccin pour le capable augmenter protection tête li. Moi pas voulais convaincre monde, moi respecter monde qui pas voulait prendre vaccin parce que nous gagne toute raison, tout monde li gagne raison. Et moi tu pensais que moi dans mon contexte moi, c'est important. Limiter, augmenter protection et permettre faciliter travail, faciliter voyage, faciliter interaction avec tout le monde. C'est 11 000 personnes seulement qui ont une possibilité pour vacciner dans le département sud. Là, monde qui déjà recevoir la première dose, ont un rendez-vous 28 jours pour la deuxième dose. Là, selon responsable, ils sont dans la direction départementale sanitaire sud. Depuis Vilokaï, département sud, Rosberta Denestan, Radio Pyramide. Merci Rosberta, on a descendu Balat Tibonite là, nous va rencontrer collaborateur nous Miss Amadeus qui est administrateur tribunal la première instance Mac là, maître Noyé Pierre-Louis Massillon présenté un bilan positif sous toute décision qui était rendue pendant année 2021 dans palais justice Saint-Mac là. Doyen Massillon prêcher une justice sans force côté, il dit celle ça qui est capable de délivrer pays d'Haïti dans situation liée journée jeudi. Miss Amadeus, dans reportage. Doyen tribunal première instance Saint-Mac là, maître Noyé Pierre-Louis Massillon présente bilan général pour année 2020-2021 vendredi 30 juillet 2021 dans palais judiciaire Saint-Marc côté sous 291 affaires 250 décisions rendues. Administrateur tribunal premier instance Saint-Marc là maître Massillon fait connaître malgré grève par-ci par-là troubles politiques il est satisfait de bilan ça. Il rend 41 décisions criminelles y compris la jury avec sans jury avec jury donc avec jury nous avons commencé il va finir c'était bien des problèmes dans le pays mais nous avons commencé quand même donc nous avons 41 décisions criminelles qui nous rendent
en année ça passé. Donc si nous avons considéré qu'en pile crise gagne année nous cap bay tête nous dit bon donc son record quand même par rapport au nombre de crises qui passent dans année ça. Si nous par exemple dans bonne zone qui dans les zones de non droit effectivement ça pas empêcher ban année à noter et de conseil avec tous les autres acteurs, les magistrats etc. Nous utiliser des moyens comment nous faire des audiences rapides par exemple pendant toute année. Après l'année je note six mois un petit temps qui vraiment est pas bouleversé nous font pile audience. Et nous avons 51 décisions en référé et 53 décisions civiles divorce et aussi nous avons 60 décisions civiles ordinaires et nous avons 5 affaires décisions travail commercial et 69 décisions correctionnelles. Doyen Noé Pierre Lumassignon ajoute pour dire c'est celle une justice sans force côté qui est arrivé sauver le pays. C'est que pas aucun pays qui a développé sans une justice qui forte. Donc c'est justice. Après, dans tout problème qui est dans le pays là, on a dit tout le monde dit justice. Ouais. Le mot, le refrain cette année, dans la bouche tout le monde, même le monde qui parle, qu'on a justice, il y a tant de justice. Ça veut dire, pour nous, justice est au centre de toutes les activités. Donc on parle un pays qui a développé, un pays qui a évolué sans la justice. Rendre justice à qui justice est justice pour tous. Ça veut dire tout le monde doit gagner même justice. Numéro 1, tribunal, premier instance, Macla, maître Noé Pierre Lumassignon. Profitez occasion ça pour féliciter Jijo pour collaboration yo qui permet lui réaliser travail lui plus facile. J'aime auditeur. Le arrivé pour nous faire mes journal le Bécampé n'a pas tourné pour nous rappeler qui pigo point qui tape dominé actualité dans le journal là. Le groupe domine l'actualité dans le journal là pour aujourd'hui lundi 2 août 2021. Ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince là, ancien directeur général ULCC, ancien secrétaire d'État à justice là, maire Claude Gassan, mort assassiné samedi 31 juillet 2021 en République dominicaine. Information fait quoi, il t'a suicidé tête lui après avec un coup de couteau après il t'a fin testé positif dans coronavirus d'après déclaration madame Nissa Radine Gassan t'a fait. La police en République dominicaine posé la patte sur tout le monde qui de Kala pour y faire une justice pour capable mener enquête là. Dernière information fait quoi que il a libéré Sarah Jane Gassan et mais faut le rester à disposition la justice pour capable faire suite enquête sur assassinat qui fait sous ancien commissaire Claude Gassan dans République Dominicaine côté la vive depuis un bon bout de temps. Parallèlement dans le pays d'Haïti, ancien première dame dans le pays, veuve Martine Moïse, annoncé intention pour poser le candidat pour poste président républicain dans la prochaine élection. Pays d'Haïti a bien pour l'organiser. Il dit rêve lui, c'est pour capable venir porter vision Maril Tap Charrier pour pays d'Haïti. Madame Martine Moïse a profité de faire quelques révélations sous assassinat qui est fait contre ancien président haïtien ou encore défunt président Jovenel Moïse. Madame n'a fait quoi? Elle était en d'achamblant de tapas assassiné président, il recevait balle dans poignet li, dans coude li et il était tombé bokabani, bouche était plein sang et il était pile pied li, il était capable seulement ouais botte policier mon corps monde qui devine faire attaque là contre défunt président. Côté il était là, il pas capable faire kenanien, après ça avant aller, yo fixe yo béton lumière dans jeli et il était fait comme s'il mourit comme ça, il expliquer situation ça dans micro Miami Herald avec dans journal dans chaîne télévision CNN dans pays les États-Unis côté que les partis qui pays à toute battant clan depuis mercredi passé hein. Moins qu'un mois après assassinat qui fait contre défunt président républicain Jovenel Moïse également moins une semaine après les filmé tel dans terre dans au cap haïtien dans date 23 juillet 2021. Dans le même dossier assassinat, il y a 4 policiers qui ont une implication directe à plusieurs autres qui ont une arrestation dans l'assassinat contre le défunt président Jovenel Moïse là, dans le 6 à 7 juillet 2021. D'après porte-parole de la police nationale pays d'Haïti, Mme Marie-Michel Verrier qui a annoncé à chercher un prochain fou, juge Wendell Koch Tello, pour complicité dans la mort ancien président haïtien Jovenel Moïse. Entre temps, ancien bateau de avocat dans Port Péo, M. Frisel Jean, quoi que son acte persécution qu'a fait contre magistrat Wendell Coctello, ancien bateau de Frisel Jean qualifié de persécution politique que le commissaire gouvernement de président, M. Belfort Claude, a fait contre juge qui n'a plus haute instance judiciaire dans la Cour cassation.
Président Fondation Jécléan, M. Samuel Madison, accusé la police comme quoi il a représenté un obstacle dans le cadre d'enquête sur l'assassinat qui fait sous ancien président Jovenel Moïse. Responsable Jécléan fait connaître comportement ça capable de compromettre, fait comprendre que la police a empêché lumière faite sous l'assassinat contre Jovenel Moïse. Dossier économie, Thomas Nalim, économiste haïtien, exprimé doute sur capacité et sous possibilité pour économie, pays d'Haïti est capable pour lancer après installation premier ministre haïtien Ariel Henry en toute équipe liant. D'après l'Alim, qui rappelait l'économie déjà en dégrabat bien avant l'assassinat Jovenel Moïse, il fait qu'on est l'économie a relancé pour gagner ou établissement l'ordre et sécurité en d'un pays. Gagner, Banque Centrale Pays d'Haïti, qui mettait une autre dehors qui décrit état situation catastrophique pays connaît dans le dernier jour. Un déficit budgétaire de plus passer 40 milliards de goudes pour seulement trimestre. Avril, mai, juin. Alors, ce trimestre avant, nous avons un déficit budgétaire de 32 milliards de goudes. Donc, défunt président, quitter économie pays à un dégrabat, situation vraiment difficile pour haïtiens qui vivent en dans pays d'Haïti. Dossier coronavirus, département de la Tibonite lancé campagne vaccination contre corona vendredi 30 juillet 2021. Pardon, dans une conférence pour la presse, directeur département de la Tibonite, docteur Marcel Chatelier, Tebaye, pour faire lancement ça. Dans le sud-pays également, autorité sanitaire lancé campagne contre le coronavirus là, vendredi 30 juillet 2021. Dans Saint-Marc, administration tribunal première instance Saint-Marc là, maître Noé Pierre-Louis Massillon présenté un bilan positif sur des décisions qui ont été rendues pendant l'année judiciaire 2020-2021. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.